C'est là que tout a commencé. La légende de Candyman. Il se baladait dans le quartier et distribuait des friandises aux enfants. Un jour, des enfants ont trouvé des lames de rasoir dans leurs bonbons. La police a débarqué. C'est là que j'ai vu le vrai visage de la peur. À genoux. Tes mains. Ils l'ont tabassé, torturé et tué, sans sommation. Quelques semaines plus tard, d'autres lames de rasoir ont apparu dans d'autres bonbons. Il était innocent. Donc il existe. Candyman n'est pas un homme. Candyman, c'est toute la ruche. Si tu es venu chercher Candyman, un bon conseil, laisse tomber. Je me sens en phase avec cette histoire. Je t'écoute. C'est ici, dans ce quartier, que la légende est née. Et la légende raconte que si on dit son nom, cinq fois en regardant dans un miroir, on peut le faire apparaître. On invoque Candyman ? Hors de question. Candyman. Anthony, non. Candyman. Arrête. Je veux pas commencer à flipper dans mon nouvel appart avant de dormir. Candyman. Les Noirs ont assez de problèmes comme ça. Non. Il faut oser. Arrête-toi là. Et dire son nom. Candyman. T'as pas intérêt à dire le dernier. Candyman. Vous voulez faire partie de l'histoire ? Non. Dites son nom. Candyman. Anthony, ça va? Anthony. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Anthony. Ce quartier est hanté. Je crois que j'ai fait une erreur. Je l'ai ramené. Candyman n'existe pas. Il t'avait choisi. Il avait un projet pour toi. Toi, t'es nouveau ici. Il faut le dire. Candyman. Dites son nom.